Hello à tous, c'est Confave. On se retrouve pour la suite de Harry Potter. Voilà, je sais pas du tout à quel épisode j'en suis, peut-être que j'ai commencé déjà l'épisode. Du coup, il faut que je parle à Rohan. Rohan, notre ami de toujours, bien évidemment, qui est toujours à fond sur Bilou ici. Oh non, c'est mort. Je vais pas trahir les 15 parce que la dernière fois, ça a failli mal tourner, hein, j'ai envie de dire. Non mais c'est vrai, j'avais plus de sous, j'avais plus rien, j'avais plus de temps. Et j'essaie toujours d'avoir des épisodes d'avance par rapport à vous, parce que sinon c'est un peu chaud avec l'attente des missions et tout comme ça et tout. Alors, Confave, ça fait quoi d'être entraîné par Bill Weasley? Tu as pris la magie avancée, vous avez parlé du temps qu'il fait, t'as donné un autographe. Ouais, c'était cool. Et très cool, on s'est battu en duel, il a accepté de m'aider à rentrer dans la cave maudite. Je suis trop jalouse, est-ce qu'il a parlé de moi? Je ne crois pas qu'ils te connaissent. Oh, elle voulait pécho. Il y a une meuf derrière, elle est flippante. Par contre là, Rohan, on est en train de s'embrasser. Enfin, on a deux doigts de s'embrasser, vraiment. Pour que tu me regardes comme ça et tout. Comment ça va étudier pour que B.O.C. t'apprenne Incendio? Ok. On va étudier un petit peu toutes les deux. Par contre, la salle commune de Serdaigle est vraiment magnifique. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai peut-être pas montré, mais j'ai un nifleur. Je me souviens plus si j'ai montré. J'ai peut-être montré. Oui, j'ai un nifleur et je fais la même sorte de mission avec la fée. Une fée, elle est horrible. Voilà. Et je peux gagner l'amitié avec Hagrid, du coup, c'est pour ça que je fais l'émission un peu. Mais parfois, il t'apporte des bonus, donc ça va. Oh, elle est rose, oh là là. Allez, bouffe! Oh, par contre, elle est tellement horrible. Du coup, ouais, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont décidé de se remettre à Harry Potter et Mystère de Poudlard un peu grâce à moi. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'est... Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je vous remercie. Je sais pas. Je vous ai incité à rejouer un jeu que vous avez un peu délaissé ou quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça très rigolo et je sais pas trop quoi dire. Mais ouais, c'est cool de voir que je vous motive un petit peu à rejouer à ce genre de choses, quoi. Allô? Ah, ok, j'ai eu peur. Tu as vu les montages, Confave? Comment ça, les montages? Qu'est-ce qu'il dit? Bah écoute, le montage, je suis en train de le regarder, là. J'ai un montage de Death Note en même temps. Merci pour ton aide, Rohan. Maintenant que je sais tout sur Incendio, Bill peut m'apprendre à le lancer. T'as bien essayé de m'envoyer un hibou s'il cherche quelqu'un avec qui étudier. Juste quelqu'un pour le suivre partout. D'accord, Rohan, je lui dirai. Ouais, je peux rien promettre. Je te promets que s'il veut quelqu'un pour le suivre partout, je parlerai de toi. Ça devrait suffire. Oh, elle est pas trop contente, hein. Mais ouais, ça va, je vais pas râler. Par contre, la meuf derrière, elle est tellement flippante. Je suis sûre que Bill Weasley, il aimerait bien qu'elle la suive partout, cette fille. Et sois prudente lorsque tu retourneras à la cave maudite. T'inquiète. Easy. Allez, dans 8 heures. Ah non, pas du tout. Mon ami Rohan m'a aidé à étudier. Elle est très intelligente. J'ai l'impression d'en savoir plus sur Incendio que le professeur de Dumbledore. Du coup, je devrais peut-être demander à ton ami Rohan de m'aider à étudier. À proposer d'être partenaire d'études si tu as besoin. Super, je ferai peut-être ça quand on aura fini avec les cafes maudites. J'ai envie de devenir préfet et préfet en chef. Elle a aussi dit qu'elle était prête à te suivre partout. Partenaire d'études, ça semble moins embarrassant. Tu es prêt, Bill? Non mais attendez, il faut faire une voix pour Monsieur Bill. Imaginez, on drague Bill. Parce que Bill, je veux pas dire, mais il se draguait un peu par Rohan, tu vois. Bon allez. Oh voilà, reste avec moi, tu seras en sécurité. Oh, c'est trop mignon. Là, les mots qu'il faut. Sois prudent, Bill. Tu n'as jamais rien vu de tel avant. Attendez, on va tourner ça. Attendez, on va tourner ça en fonction. On va tourner ça en mélodramatique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, je vais faire une voix bien girly. Et pour Bill, je vais faire une voix un peu virile, tu vois. Sois prudent, Bill. Tu n'as jamais vu rien de tel avant. Ne t'inquiète pas, Confave. Les caves maudites n'ont jamais vu personne comme moi. Et je vous jure, si Bill à la fin c'est une tapette. Désolé, mais. Juste il fait un petit peu son kiké, quoi. Ah, bah d'accord, la glace a pété un câble. C'est absolument incroyable! Il a fallu une magie complexe pour bâtir cet endroit. On a découvert qui a construit les caves maudites et pourquoi. Tu ne plaisantais pas quand tu parlais du froid, Confave. J'aurais dû prendre des moufles en laine que ma mère m'a tricoté. Comment tu as fait pour traverser toutes ces glaces? Elle n'était pas là avant. Ça doit faire partie des défenses de la cave. Il va falloir s'en débarrasser. Lancer Incendio.
Parce que Flipmando, attends, Flipmando, ça allait pas marcher. Hein. Incendio. Incendio. Ah oui. Pourquoi la musique, elle est trop joyeuse. Si c'est comme ça, je coupe le son et je mets une musique, voilà. Attends. Bon voilà, je vous ai mis une musique un peu suspecte. Incendio. Incendio. Là c'est bon, voilà. On va atteindre le château de la Reine des Neiges et on va croiser Elsa, on va chanter Libéré, Délivré, ce sera une musique cohérente à la situation. Bon travail, Canfav. Voilà la porte qui mène à la cave maudite. Fais attention, Bill. C'est l'erreur que tu as faite la dernière fois. On doit attaquer avant qu'elle nous attaque en premier. Incendio. On va se débarrasser de la porte de glace. Yes. Let's go. On esquive. Je vais sortir mon froid. Serrer les dents. Écoutez, non mais franchement, je m'attendais genre à un duel avec la porte, moi, perso. Oh, Fixturia, attention. C'est pas passé loin. Non mais n'empêche, ça va, il y a des petites animations cool, mais... Genre, tu serres les dents. Le serrage de dents marche toujours. Ah! Bah oui, ah, oui, ah. Bill! Elle a dû contrer mon incendio, j'ai froid. Oh putain, j'ai encore fait de la merde. Je vais chercher de l'aide. On n'a pas le temps. S'il te plaît, qu'on fasse fondre la glace avec un incendio. Les professeurs ont dit que l'utiliser pour libérer quelqu'un à la glace maudite pour les tuer si on fait pas attention. Alors fais très attention. Non, j'ai envie de le laisser comme ça. Un petit glaçon. C'est pas du tout faire attention, ça. Ça va? Tu as réussi, Cancan? La glace m'a vidé de mon énergie, mais je n'ai aucune égratignure. Heureusement que tes blessures sont légères. Madame Pomfraîche s'occupera de toi, comme elle a fait avec Ben et Rowan. Sortons de ce couloir avant que le froid m'épuise complètement mon tour. Quoi, mais on n'a rien fait. On s'est juste pris de la glace, mais pff, on n'a rien fait. Même Bill Weasley n'est pas assez fort pour briser la malédiction de la cave. Encore sonné par votre défaite sans appel, vous avez du mal à vous organiser. Ça va? Bon, on va parler à Chester dans 3 heures. On débarque comme ça au KLM. Est-ce que je vois? Les rumeurs étaient vraies. Quelle rumeur? Je vais aller voir la glace maudite. J'ai juste besoin de quelque chose plus chaud à porter. C'est ça, oui. Trouve-toi un manteau. Stylé, vas-y. Montre-moi tes nouveaux habits, yes. Les reines du shopping. Ça te va bien? Tu te sens mieux? Note de 10 sur 10. Qu'est-ce que c'est que ça? À 30, je peux avoir une sorte de map Minecraft? Je sais pas. Oh, je peux rencontrer Remus Lupin. Bah, événement terminé. Super. J'espère, monsieur Weasley, que lorsque vos plus jeunes frères viendront à Poudlard, ils ne se sentiront pas autant d'ennuis. Ouais, ça va être rigolo, hein. Ils sont tous sages comme des images, des vrais petits anges. Ouais, c'est ça, oui. Tu te sens mieux, Bill? Attends. Là, j'étais en mode, je regarde par quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est des... ok, c'est des fantômes. Ah, mais oui, c'est vrai, Bill, c'est un peu notre crush, là. Tu plaisantes, je me suis jamais senti aussi vivant. On doit y retourner et lancer Incendio pour briser la cave maudite. Mais cette fois, il nous faut plus d'aide. J'ai des amis qui m'ont aidé à m'échapper de la glace maudite par le passé. Ils peuvent nous aider à briser le maléfice de la cave. Oula, 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 oula. Attends, pourquoi je dois retrouver Penny? Oh, mais je dois retrouver Penny parce que... Oh là là, on va aider Penny déjà. Wesh, Penny. Je suis passionnée par ce sort depuis que Merula s'en est servie pour t'aplatir dans votre duel. Non mais attends... Ok, elle est à fond dans Flipendo, super.